Le dropshipping en 2024 est mort. Non je déconne. Mais dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux lancer une boutique à succès en 2024. Qui je suis pour parler de dropshipping Je m'appelle London, j'ai 25 ans et je me suis lancé en drop il y a maintenant 6 ans. Et depuis ce temps, j'ai généré bien plus d'un million d'euros sur les 365 derniers jours sur une seule de mes boutiques. Donc si tu me crois pas, là je vais te montrer mon screen recording. Donc là je rafraîchis vite fait pour que tu vois que c'est pas du bullshit. Et là, tu vois que sur les 365 derniers jours, on a généré plus d'un million d'euros. Et pareil, si je vais sur la homepage, sur les 365 derniers jours, tu vois qu'on a généré plus d'un million d'euros. Et hier, on a fait environ 3000 euros. Aujourd'hui, je vais te partager les trois points les plus importants que j'ai appris dans mon parcours pour que tu réussisses plus rapidement que moi. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car tu ne veux vraiment pas rater le dernier. Alors on va commencer tout de suite avec la recherche produit. Beaucoup se prennent la tête pour trouver un winner et ils utilisent des dizaines et des dizaines de formations et de stratégies différentes. La vérité c'est que ce n'est absolument pas aussi compliqué que tu ne le penses. La façon la plus simple c'est juste d'aller sur les réseaux sociaux et d'engager avec des publicités en dropshipping pour en voir de plus en plus. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller sur les réseaux comme Facebook Ads, TikTok, etc. Tu vas scroller un petit peu et à chaque fois que tu vas voir une publicité de dropshipping, eh bien tu vas engager avec. Tu vas cliquer dessus, tu vas aller sur le site, tu vas ajouter au panier, etc. Comme ça, eh bien, ils vont te donner de plus en plus de publicité par rapport à des boutiques dropshipping. Tu peux aussi utiliser des plateformes de recherche produits en parallèle des réseaux et notamment tu peux utiliser le Meta Ad Library qui est la bibliothèque de toutes les publicités qui sont en ligne sur Facebook. Donc il ne faut absolument pas que tu te bases sur toi ce que tu achèterais et sur des choses qui te plaisent mais il faut absolument que tu te fies uniquement aux statistiques. Donc regarde les données, regarde le nombre de likes, regarde le nombre de commentaires, regarde le nombre de personnes qui sont satisfaits. Va dans les commentaires, regarde ce que les personnes disent. Est-ce qu'ils disent qu'ils veulent acheter ou est-ce qu'ils juste ils ont aimé le contenu qu'ils ont vu dans la publicité. Fais attention à tous ces petits détails là et tu trouveras très rapidement ton produit winner. Ensuite tu vas créer un site web qui convertit. La grosse erreur du débutant c'est de passer beaucoup trop de temps à faire un beau site. Ton site ne doit pas être beau, il doit convertir. Mets-toi bien ça dans la tête mon gars. Donc tu prends un thème basique comme Dawn, qui est le thème de base sur Shopify totalement gratuit. Tu utilises du noir sur blanc comme la plupart des boutiques professionnelles, même Amazon, et tu choisis une seule couleur d'accent. La couleur d'accent je te laisse le choix, ça peut être un truc un peu flashy, mais reste dans des palettes de couleurs. Professionnel. Une chose qui est super importante pour que ton site convertisse bien, c'est d'avoir le bouton ajouter au panier qui ressort bien. Et là, à ce moment-là, tu peux même utiliser une couleur extérieure aux couleurs que tu utilises de base, un truc comme vert ou jaune qui ressort bien parce que ça, c'est important. Et ça n'a rien de forcément beau, mais c'est important pour la conversion. Je te laisse en lien dans la description ma vidéo sur la création de boutique et la vidéo sur optimisation de taux de conversion que j'ai fait si tu veux en savoir plus sur comment créer une boutique qui convertit. Pour ce qui est de l'envoi de commandes, j'ai récemment trouvé une super plateforme qui s'appelle AutoDS. AutoDS, c'est vraiment une plateforme tout-en-un -un pour le dropshipping. Donc tu peux faire de la recherche produit jusqu'à de l'envoi de commandes tout directement depuis la même ça synchronise directement avec AliExpress et toutes les autres plateformes et fournisseurs pour que tu aies une expérience totalement simplifiée. Ils ont aussi leurs propres entrepôts en Europe et aux États-Unis pour que tu puisses envoyer certains de tes produits beaucoup plus rapidement. Donc là, je vais te montrer un peu sur mon écran. Comment ça marche Eh bien, là, tu as une marketplace. Donc là, tu peux vraiment piocher dans les produits de leur marketplace. Tu as aussi du coup des produits que eux-mêmes ont choisis à la main. Donc ça, c'est vraiment des produits qu'ils ont choisis en se basant sur les données qu'ils ont directement parce qu'ils envoient énormément de commandes avec tous les clients dropshippers qu'ils ont. Et du coup, eh bien là, tu es sûr de trouver des winners à tous les coups. Tu as aussi la fonctionnalité TikTok Spy, donc tu peux directement aller espionner des publicités TikTok depuis la plateforme sans même payer un abonnement différent sur une plateforme différente. Donc là, tu peux vraiment faire énormément de choses sur cette plateforme. Et je dirais même que c'est la seule plateforme qu'il te faut pour te lancer en dropshipping. Moi, quand j'ai vu cette plateforme, je me suis dit que ça allait vraiment me faciliter la vie si je l'avais quand moi-même je me suis lancé. En dropshipping, et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je les ai contactés directement pour savoir ce qu'ils pouvaient faire pour mon audience. Donc, toi qui regardes cette vidéo, et du coup, ils t'offrent un essai gratuit de 30 jours au lieu de deux semaines. Donc, je t'invite vraiment à utiliser le lien dans ma description, et comme ça, tu auras accès directement à un essai gratuit de 30 jours. Donc, la suite logique, qu'est-ce que c'est Et eh bien, il faut maintenant que tu envoies du trafic sur ton site, et le trafic, bien sûr, il doit être qualifié. Donc, tu peux faire des pubs sur Facebook ou tu peux tout simplement faire du TikTok organique, c'est-à-dire poster du contenu viral sur tes produits directement sur la plateforme de TikTok. Personnellement, je conseille les publicités Facebook et c'est ça qui m'a rapporté eh bien, la grande, grande, grande majorité de mes chiffres d'affaires. Pour les créatifs publicitaires, donc les images ou vidéos que tu veux utiliser pour promouvoir ton produit sur la plateforme de Facebook Ads, je recommande le contenu. UGC. Donc, qu'est-ce que c'est UGC Ça veut dire User Generated Content. Et c'est tout simplement du contenu qui a été fait par des utilisateurs lambda. Donc, c'est comme si quelqu'un prenait son téléphone, il venait d'acheter ton produit, et eh bien il faisait une petite vidéo en mode ⁇ Waouh, regarde ce que j'ai reçu, tac, tac, tac. ⁇ Donc, c'est vraiment une vidéo totalement naturelle. Et ça, ça marche super bien en tant que publicité. Ce que je te conseille de faire... Car tu es débutant, tu ne vas pas réinventer la roue, tu n'es pas un expert en marketing. C'est tout simplement de tester avec les vidéos de tes concurrents. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu ailles dans un autre marché comme les États-Unis, où tu vas trouver un produit qui te semble intéressant. Et là, à ce moment-là, eh bien, tu vas prendre les créatives déjà winneuses de ton concurrent aux US. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas les traduire, tu vas les modifier un peu, mais tu vas garder vraiment le format. Et tu vas les mettre directement sur Facebook Ads dans ton marché. Ça, c'est bien pour tester, mais je te le recommande pas non plus long terme, car bien sûr, il faut que tu apprennes à faire soit tes propres créatifs publicitaires ou bien sûr que tu payes une agence ou quelque chose. Mais idéalement, tu apprends à le faire toi-même, car c'est vraiment une des compétences les plus importantes aujourd'hui pour réussir. En dropshipping. Et pour t'entraîner de manière totalement gratuite, donc sans dépenser de l'argent sur Facebook Ads, ce que tu peux faire, c'est là te lancer en TikTok organique, promouvoir ton produit avec des vidéos sur TikTok et essayer de les rendre virales. Comme ça, ça va directement te générer du trafic qui pourra convertir sur ton site. Donc, non seulement tu vas apprendre à créer du contenu de manière totalement gratuite, juste en le faisant et eh bien à répétition. Et en plus, ça peut t'apporter des ventes sur ton site si tu as une vidéo qui devient virale. Donc, c'est vraiment une situation gagnant-gagnant. Donc, je te recommande vraiment de faire ça si tu as envie de déguiser tes compétences de créateur de contenu pour des créatifs publicitaires. La partie la plus importante des publicités sur Facebook aujourd'hui, ça se repose dans les créatives publicitaires. L'algorithme de Facebook est devenu tellement surpuissant aujourd'hui. Que tu n'as plus rien besoin de faire à part des bonnes créatives publicitaires. Et tu vas aussi directement aller cibler les personnes avec tes créatives publicitaires. Donc ça veut dire que par exemple dans ta vidéo, si tu mets des personnes âgées, eh bien, Facebook va automatiquement cibler des personnes âgées. Si tu fais des vidéos euh, dans un style un peu drôle par exemple, eh bien, ça va cibler des gens qui vont consommer ce genre de contenu. Donc fais très attention au type de contenu que tu crées parce que c'est vraiment comme ça que tu pourras target des personnes. L'intelligence artificielle de Facebook va se charger de tout le reste. Donc concentre-toi exclusivement sur le fait de créer du bon contenu. Finalement, le quatrième point bonus que j'ai envie d'aborder dans cette vidéo, c'est le point aussi le plus important pour réussir en dropshipping. Et je pense que tu l'as déjà deviné, mais c'est le mindset. Tout ce que j'ai dit avant dans cette vidéo ne sert strictement à rien si tu n'as pas le mindset gagnant. Alors le mindset gagnant... Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça veut dire que tu es prêt à tout pour réussir. Ça veut dire que tu es prêt à persévérer au quotidien. Donc, pas seulement pendant une semaine où tu es super déter, waouh, wow, trop cool, l'objet du syndrome brillant, je lance mon nouveau business. Non, tu persévères au quotidien sur le long terme afin de réussir en e-commerce. Tu es aussi déterminé à faire les petits trucs chiants au quotidien. Donc déjà, ça veut dire quoi Bah bosser sur ton business, bien entendu, et au début, c'est sûr que ça va pas te paraître chiant, mais à la longue, si tu n'as pas de résultats, eh bien tu vas trouver ça chiant. Donc il faut que tu continues à bosser, il faut que tu manges sain parce que ce que tu vas mettre dans ton corps, eh bien ça va se traduire directement dans la quantité d'énergie que tu vas avoir au quotidien. Et tu vas aussi faire du sport. Donc tout ça, ça va contribuer à ton niveau d'énergie et ça va te permettre de mieux travailler pour ton business. Ce qu'il ne faut pas que tu fasses, c'est que tu dises, ah ouais, bon, je vais essayer le dropshipping, je vais voir si ça marche pour moi. Non, il faut que tu sois déterminé à 100% afin de réussir. Tu dois avoir le désir brûlant en toi de changer ta vie et d'apprendre. Si tu n'as pas ce désir intense de changer de vie, écoute-moi bien, tu ne vas jamais réussir. En dropshipping. Donc, si tu as tout ça, tout ce que je viens de dire là, tu es vraiment prêt à le faire, c'est sûr à 100% que tu vas réussir en e-commerce. Donc là, je te propose deux solutions. C'est de soit retourner dans ton quotidien euh, peut-être sympathique et de kiffer ta vie ou bien de choisir la voie du e-commerce, la voie de la réussite, la voie de la liberté et de laisser toutes les conneries derrière toi. Tu as ces deux choix-là. Maintenant, c'est entre tes mains. Moi, je te retrouve la semaine prochaine. Ciao!